Adrien, ton micro est coupé. Les joies de la technologie. Ouais, je vais me présenter. Bon, bonjour Adrien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Eric Burdier, je suis le cofondateur d'Accéléo qu'on a lancé il y a 6 ans et demi. Accéléo, c'est une plateforme d'accélération où on délivre à des startups, sites B2B, de l'accompagnement personnalisé, un écosystème pro-business et du capital. Donc, on a BPI France comme actionnaire de référence. On a fédéré un écosystème avec une soixantaine d'entrepreneurs expérimentés dans le digital B2B et 17 personnes réparties entre Accéléo, l'accélérateur, Accéléo Capital, notre société de gestion, où nous gérons aujourd'hui 45 millions d'euros que nous déployons en seed et en série A dans des startups digital B2B. Voilà, on va attendre Adrien plutôt que faire un one-man show. Posez-moi vos questions directement en parallèle et puis j'y répondrai. Adrien? Je vais prendre peut-être, j'ai plusieurs questions, Adrien, tant que tu te branches. Alors, je prends peut-être pour Philippe sur les critères d'investissement. Donc, nous, on va arriver sur des startups en seed. Donc, on va viser des propositions de valeur dans l'enterprise software, donc des solutions logicielles qui ont un marché ET grand compte, des perspectives de croissance internationale. Et qui, en stade de maturité, ont des premiers clients et des premiers produits. En général, on va être sur des structures qui ont entre 1 et 3 ans, entre 5 et 15 personnes, et entre 100 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre où sont les différenciateurs métiers et ou techno, et pourquoi les premiers clients ont acheté, donc on soit en capacité de réaliser des due diligence commerciales. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, n'hésite pas à compléter. Brice nous demande comment se porte le portefeuille Accéléo pour le moment et déjà les impacts de la crise. Oui, évidemment, puisque personne, enfin tout le monde l'a vu. On a vécu 15 jours un peu particuliers où la première semaine, tout le monde était en panique. Une vraie problématique de continuité d'activité chez dans un cercle dans quasiment tous les secteurs d'activité. Et c'est en train de se normaliser depuis une semaine, où la situation est assez paradoxale, c'est-à-dire toutes les mécaniques de génération de leads qui étaient en place dans la plupart de nos startups, tous ces processus-là sont grippés. Très difficile de prendre des nouveaux rendez-vous et de démarrer des nouveaux projets. Par contre, le business continue, il y a plutôt des bonnes surprises. Étant donné que la majorité de nos startups sont sur des outils digitaux assez essentiels au cœur de la stratégie des grands comptes, les ventes se font. Donc, parfois avec un peu de décalage, mais il y a plutôt des sous-jacents assez positifs. C'est On bon, t'a je pense récupéré, qu'on va Adrien? m'entendre. Super, parfait. Magnifique, c'est super. Et écoute, merci d'avoir meublé pendant ce temps. Tu es un super présentateur radio, télé
Je me reconvertirai post-crise. Le confinement nous a même fait découvrir une vocation. Bah écoute, au moins, c'est super, tu as pu présenter et commencer à répondre aux questions. Merci de ta participation pour ce webinaire. On est ravis d'avoir l'avis d'Accélé aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé de la thèse d'investissement. Est-ce que tu as, première question, tu as l'impression que cette thèse d'investissement ou d'accompagnement pour la partie accélérateur va évoluer ces prochains mois ou changera dans les prochains mois après la crise? Oui et non. Non, dans le sens où quand on a lancé Accélo il y a 6 ans et demi, donc la partie investissement n'existait pas, l'élément essentiel, c'était comment on apporte plus de valeur à ces startups, amorçage B2B dans le domaine du logiciel, comment on apporte autre chose que du capital pour les aider à faire de manière plus répétable, plus systématique du business à grande échelle. Donc après, les modalités pratiques évolue, mais les éléments essentiels de notre vision, de notre mission sont toujours en place, voire même on ne peut plus vrai. Après, là-dedans, quand on dit ça, il y a effectivement, je crois que dans les questions, il y a des sujets sur les travel tech. On voit que dans l'écosystème et l'évolution de l'écosystème dans lequel nous rentrons, il y a un certain nombre d'éléments qui vont modifier. Il y a une forte pression sur le cash. On voit que les enjeux de digitalisation sont on ne peut plus marqués dans un certain nombre de secteurs d'activité où on a vu tout un tas de défaillances et tout un tas de gros, gros points de faiblesse depuis ces 15 derniers jours. Et le troisième point, c'est que on va avoir moins de cash, notamment dans l'equity story de ces startups-là. Donc, un certain nombre de modèles de développement vont être à privilégier, des modèles plus frugaux, notamment en capital, des propositions de valeur qui doivent avoir deux qualités essentielles, que sont la résilience d'un côté, puisque on est dedans et on espère tous sortir de cette crise-là. Mais aussi, il faut se préparer à d'autres événements et dont on ne maîtrise aujourd'hui pas du tout la fréquence. Et de l'autre côté, de l'agilité pour pouvoir identifier de nouvelles opportunités de business, identifier de nouvelles façons de faire du business. Donc voilà, donc j'ai dire nos fondamentaux ne changent pas, la thèse ne change pas. Par contre, dans les éléments d'analyse et ou d'accompagnement, on va adapter certains paramètres. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de retours sur le fait que notamment l'investissement était sur des valorisations très importantes, qu'il y avait beaucoup de cash, du coup des modèles qui étaient plus axés sur la croissance que sur le business, alors que vous, votre positionnement était quand même très business oriented sur les boîtes que vous accompagniez déjà avant. Et Oui. ça va sûrement se confirmer, voire s'accélérer après tous ces événements. Ouais. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu t'as parlé du rôle à la fois d'investisseur et très operating que vous avez par la force des choses. C'est votre ADN d'accélérateur avant d'être investisseur. On ne peut plus vrai aujourd'hui quelque part. C'est quoi votre but aujourd'hui, votre rôle, vraiment le rôle principal d'associé, voire d'accompagnateur dans cette période? Mais en fait, on a toujours ce double rôle, si ce n'est que depuis 15 jours, on a un niveau de proximité avec nos participations qui est beaucoup plus fort. Puisque là, je pense qu'on se parle quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Donc, on a un niveau de l'enjeu et la proximité essentielle pour essayer d'identifier les deux choix. Donc, quelque part, sur la casquette investisseur, la première chose, c'est s'assurer que toutes les mesures d'urgence qui ont été mises en œuvre extrêmement rapidement par le gouvernement et par BPI France et par l'ensemble des banques partenaires, l'ensemble des mesures d'urgence ont été prises et ont été bien appliqués, c'est-à-dire à la fois en termes de justesse et de bonne foi. Ça, c'est le premier point. Que les entrepreneurs qu'on accompagnait avaient bien conscience de la conjoncture dans laquelle on était et qu'ils n'abordent pas cette période-là avec trop de légèreté, trop de naïveté. Mais non plus sans broyer du noir du soir au matin, c'est-à-dire savoir capter de nouvelles opportunités, savoir se remettre en cause au sens positif du terme pour aller chercher ces opportunités. Et puis, tous les sujets de
crash test sur business plan, de réanalyse des métriques, tous les enjeux financiers qui nous permettent de comprendre société par société les choix différents et les évolutions de situation qu'il fallait prendre en compte, de refinancement, de sollicitation de prêts et voir s'il y avait ou pas situation de crise. Sur le volet accompagnement, les sujets sont différents. On va avoir deux grandes familles de sujets en ce moment. On le voit tous, on est en confinement, on a du temps. Et donc, du coup, c'est une excellente opportunité pour revisiter les fondamentaux de chacune des sociétés, leur modèle organisationnel, leur proposition de valeur, remettre en cause la vision, remettre en cause la mission. Tous ces sujets qu'en fait, on fait peu ou pas, revoir les messaging frameworks, redécliner l'ensemble des choses qu'on n'avait pas forcément eu le temps de faire, des éléments marketing, reformuler et reformater des business cases, des outils qui permettront de taper beaucoup plus fort quand le confinement sera terminé, qu'on pourra aborder de manière un peu plus sereine le redéploiement de forces commerciales. Donc un gros, gros travail sur les fondamentaux d'une part. Et l'autre part, là, on est beaucoup plus dans l'opérationnel et du day-to-day. Et ça, c'est vraiment le point critique pour chacune des participations, comment on garde une pression commerciale très, très forte. Ouais, c'est C'est pas ça. du confinement qu'il faut s'arrêter, bien, bien au contraire. Ok, ça, j'aimerais bien qu'on en parle parce qu'il y a des sujets. Je pense que c'est des sujets qui intéressent beaucoup les entrepreneurs qui sont là, parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans cette situation commerciale. Juste avant, si on retourne à la période d'avant, si on résume, on fait les mesures d'urgence, le BP stress test, on se repositionne du coup après sur selon qu'on a de l'activité commerciale ou pas sur reparler de ses fondamentaux, repenser ses fondamentaux, ça ce sera hyper intéressant d'en parler. Juste sur le BP stress test, c'est quoi vos recos, vous, d'investisseurs, par rapport à vos participations ou même à l'écosystème, de dire qu'est-ce que vous préconisez quand vous faites un BP stress test? Vous préconisez d'être plutôt très pessimiste, moyennement pessimiste, aussi bien sur les chiffres que sur la durée, de l'impact de la crise. Comment vous voyez les choses? Déjà, en général, je préfère avoir des bonnes surprises que des mauvaises surprises. Donc, je préfère aujourd'hui travailler en worst case. Et on pourra après remettre des chiffres, travailler en worst case, sans tailler dans l'os, c'est-à-dire sans entamer les actifs clés, que ce soit le produit, les personnes, les process dans les équipes, bien comprendre où sont les actifs clés, mais se mettre en worst case. C'est-à-dire geler au maximum les plans d'embauche, sauf s'il manque une ressource clé, revisiter les dernières personnes qu'on a fait rentrer pour voir s'il y a des personnes à garder, s'il y a des personnes à sortir, geler tous les coûts inutiles et se mettre en situation où l'enjeu est de nurturer ses clients, les chouchouter, les choyer et travailler les logiques d'upsell et de cross-sell. Mais être très, 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 très pessimiste sur le new business. Ok. Il veut dire par là, hein, c'est des choses assez simples, hein, c'est se mettre dans des situations où les chiffres d'affaires peuvent être dégradés entre 50 et 80 %. Ça veut dire avec des taux de croissance qui sont flat ou négatifs. Ça veut dire tous ces sujets-là pour voir où est la ligne de flottaison en termes de trésor? Est-ce qu'il y a des mesures d'urgence à faire ou pas? Et quand on se met dans situation à minima, c'est-à-dire quelque part de survie, ça a trois vertus. La première vertu, c'est que on sait mieux gérer le cas où, si vraiment ça se produit, on est préparé, on l'a anticipé. C'est pas quelque chose qu'on subit. C'est quelque chose sur lequel on peut être proactif. Premier point. Et la deuxième vertu, c'est qu'on se remet en cause et on revisite la manière dont on produit son service ou dont on délivre sa proposition de valeur, que ce soit en termes de proposition de valeur, que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes de process. Et le dernier point essentiel, c'est l'objectif, c'est comment on réinvente de nouvelles façons de faire du business. J'en ai plusieurs boîtes dans le portefeuille qui étaient dans des modèles de vente. J'allais dire assez traditionnel dans la vente de software, c'est-à-dire du direct, où on génère des leads avec un peu de marketing, mais pour beaucoup du phoning, du cold email,
peu ou pas de contenu. Il y a plein d'autres manières de générer des leads. Comme on le fait aujourd'hui, beaucoup redécouvrent du webinar de manière où ils étaient un peu timorés, de manière beaucoup plus proactive. Redécouvrent la capacité de faire du contenu avec des partenaires. Et donc, finalement, on revisite un certain nombre de canaux qui n'étaient peu ou pas exploités jusqu'à présent et qui peuvent être, lors de périodes de forte relance, d'autres outils à utiliser qui peuvent être plus efficaces ou beaucoup plus économiques en termes de cash à investir. Et toi, dans toutes les problématiques que vous avez eues, ce qui est important pour un fonds, c'est que d'un coup, il y a géré tout son portefeuille qui a des situations plus ou moins urgentes. Vous avez priorisé dès le début, la première rôle, ça a été de prioriser. Et vous avez plutôt, tu disais, des bonnes surprises, mais est-ce que, voilà, comment vous avez eu à gérer toutes les priorisations des boîtes qui ont le plus besoin à court terme de votre concours? Plutôt que celle, bon bah ça y est, elle peut, on peut attendre encore quelques semaines avant de d'avancer avec elle, ça tient pour l'instant. Comment vous avez fait ce rôle un petit peu de En fait, si tu veux, déjà, on ne partait pas d'une feuille blanche, c'est-à-dire qu'on avait déjà une conviction sur le portefeuille, puisqu'on le portefeuille est constitué depuis juillet 2017, on a une vingtaine de lignes qu'on suit de manière assez proche, et on avait déjà des convictions sur des boîtes qui surperformaient et des boîtes qui sous-performaient, et un ventre mou dans lequel on avait des sociétés dont les trajectoires n'étaient pas encore très marquées, très nettes, et d'autres qui étaient dans le portefeuille depuis peu longtemps. Donc là, on a fait une revue exhaustive pendant au moins deux fois la première semaine pour voir un peu et mesurer la température et l'humeur des fondateurs et les KPI où ils en étaient. Et on a refait ce travail cette semaine puisque une fois que le confinement mis en place, que les grands groupes ont enfin compris comment on faisait une visioconférence et qu'eux-mêmes, une fois après s'être occupés de ces salariés, passaient des sujets urgents aux sujets importants, c'est-à-dire comment on refait du business. Là, effectivement, l'objectif est de décanter un petit peu ces situations. Donc là, on a passé un temps égal sur chacune des participations, de manière à discriminer des situations les plus importantes et les plus urgentes des autres. Heureusement, on n'a pas de décision d'urgence ou de refinancement d'urgence à faire. Ça, c'est le premier point. Donc, et là-dessus, c'est pas une surprise dans le sens où on était sur des sous-jacents où l'equity story des sociétés dans lesquelles on était n'avait pas besoin d'être perfusé en cash. Premier point, elles avaient toutes déjà des niveaux de MRR et c'est un peu la beauté du SaaS avec des modèles d'abonnement, avec de la récurrence qui fait que tu as du caching qui rentre dans tous les cas de figure. Qu'on avait une bonne diversité de sujets, de thématiques dans le portefeuille. Et voilà, et là-dessus, effectivement, il y a deux grandes familles. Il y a celle qui, dans la conjoncture actuelle, arrive à tirer des bénéfices de la crise. Donc, tous les sujets de digitalisation de process, tous les sujets liés à la continuité d'activité, c'est-à-dire sécurisation des process, cybersécurité, c'est des sujets qui ont vraiment le vent en poupe. Et beaucoup plus et comment dire, à contrario des activités qui sont vraiment liées à l'activité physique, donc tous les sujets adtech, martech, dès lors que ça touche au retail, qui sont plus impactés. Ok, justement, ça permet de faire une petite transition sur les secteurs enfin, dans les entreprises que vous accompagnez ou dans lesquelles vous êtes associé. Il y a des secteurs qui vont potentiellement tirer leur épingle du jeu, tu l'as dit, la cyber ou la sécurité, etc. Est-ce que tu vois aussi qu'il y a des opportunités d'investissement à faire pendant la crise? Beaucoup d'entrepreneurs se posent la question, j'ai été enlevé ou je comptais être enlevé, ça va être reculé. Mais est-ce que c'est pas aussi dans ces moments-là que c'est le bon moment pour contacter les investisseurs et être dans un secteur qui peut tirer son épingle du jeu? On a eu un échange hier avec pas mal de VC. On est beaucoup comment dire, encore à l'écoute de nouveaux dossiers. Donc là, les portes sont encore ouvertes et pour moi, même si effectivement ça
refroidit un certain nombre d'investisseurs et où les premières mesures, c'est d'abord de regarder chez soi ce qui se passe avant de regarder chez les autres. Depuis, on va tous regarder d'autres opportunités où l'ensemble des dossiers, pour la grande majorité des investisseurs qui étaient déjà dans les tuyaux, les opérations étaient débouclées. Donc, il y a globalement, que ce soit chez nous sur lequel on déboucle une opération sur laquelle on s'était committé. Donc, il y a en général un maintien des positions. La profession a une attitude très, très, très positive et très constructive par rapport à ça. Et une fois avoir regardé tout chez nous, bien mesuré les impacts sur les portefeuilles des uns et des autres, pour ceux sur qui l'équation est plutôt positive, nécessairement, on regardera de nouveaux dossiers. Par contre, et c'est là où il ne faut pas être naïf, on va les regarder avec plus de prudence, c'est-à-dire bien s'assurer que les fondamentaux de ces sociétés-là ne soient pas un copier-coller de ce qu'on voyait en 2018 et 2019 et soient en cohérence avec l'économie de demain, c'est-à-dire des modèles peut-être plus frugaux. Peut-être plus malin, des positionnements qui correspondent à un ensemble d'opportunités et ou de manques qu'on a pu voir ces dernières semaines. Et je l'espère, mais ça c'est un vœu pieux, et je ne sais pas dans quelle mesure ça sera une réalité. Il y a un certain nombre de secteurs émergents et de sociétés émergentes qu'on avait vu se positionner depuis 3, 4, 5 ans, tout ce qui tourne autour, par exemple, de l'éducation, du télétravail, de pas mal de choses, qui étaient des super marchés émergents, mais qui ne décollaient pas du tout, notamment en Europe de l'Ouest. Voilà. Donc, quelles mesures, post-confinement, les sous-jacents de ces secteurs vont être vraiment en croissance durable? Et là, il y a effectivement des paris à prendre, dont beaucoup seront gagnants. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur justement le comportement que vont avoir les entrepreneurs qui doit aussi évoluer par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années où on cherchait plutôt de l'hypercroissance, du coup des valorisations très 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 élevées. On a peut-être aujourd'hui va peut-être redescendre d'un étage et aller sur des modèles comme tu dis où il y a de la frugalité, il y a une boîte qui fait sens avec des vrais besoins. Il y a des investisseurs qui disent bah il faut un produit qui est un must-have et pas un nice-to-have. On va changer un peu de paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir moins de bons dossiers, que ça va être plus concurrentiel aussi entre investisseurs, ou que les comportements des potentiels startups en levée ces prochains mois vont aussi changer leur courbe de vente, leur courbe de recrutement, etc., pour aller vers quelque chose de plus sain au global? Bon, plus sain, je ne sais pas, en tout cas, plus rationnel et plus, comment dire, avec plus de pragmatisme. Ça, c'est certain. Quelque part, on va avoir deux catégories de sociétés, celles qui se sont déjà inscrites dans une equity story avec un sous-jacent très agressif en termes de besoin de capitaux. Et si celles-ci n'arrivent pas à revisiter leur proposition de valeur, ça peut être assez compliqué. On prend l'exemple juste d'un OneWeb qui annonçait son dépôt de bilan il y a quelques heures ou quelques jours sur le fait de l'incapacité à se refinancer avec SoftBank qui liquidait une grosse partie de son portefeuille d'actifs. On voit bien qu'à un moment donné, ces modèles, si on n'arrive pas à les transformer vite, la casse va être assez violente. Et donc, pour les entrepreneurs qui, au contraire, démarrent, en sont dans les premières années sur lesquelles ils ont encore le choix, effectivement, s'orienter vers ce type de business plus, enfin, de croissance tirée par le chiffre d'affaires. Après, sur l'offre et la demande, la pression de côté demande sera toujours la même, puisqu'il y a quand même une lame de fond sur l'entrepreneuriat qui est assez forte, voire même pour moi, ça va être un révélateur de nouvelles équipes et d'une certaine classe d'entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans la tempête. Et souvent, ce sont des gens qui ont une capacité de résilience, un courage, une obstination beaucoup plus forte que les autres. Donc, c'est toujours une classe d'entrepreneurs assez intéressante. Et après, sur le j'allais dire l'offre, c'est-à-dire l'appétit des investisseurs, là, effectivement, il y a un coup de gel.
Mais l'ensemble de, j'allais dire, notamment en France, du venture, c'était largement refinancé depuis 3 ans. Il y a pas mal de fonds à disposition, donc ça reprendra assez naturellement. Voilà. Ouais, c'est Le un point qui changement n'est de pas prix. évident, c'est l'équilibre de valorisation entre l'offre et la demande, qui a amené pas mal de spéculation et de valorisation à la hausse, où là, on va retrouver une forme de normalité. Et c'est intéressant parce que tu dis qu'il y avait beaucoup de liquidités dans le marché. Les modèles quand même des fonds d'investissement, faut le rappeler, c'est de revendre leur participation en maximisant la plus-value. Mais Oui. du coup, est-ce que ça va à terme, et si on peut parler des reventes, aussi baisser le rendement potentiel des fonds d'investissement dans les 2 ou 3 prochaines années? Est-ce que c'est pas le mauvais moment pour revendre une entreprise, plutôt refinancer son portefeuille et faire des nouveaux deals qui seront plutôt à revendre dans 4-5 ans? C'est quoi ton avis là-dessus? Ben nous, on a un avis assez biaisé puisqu'on rentre en seed, si tu veux. Donc, sortir en série A, en série B, en série C, si derrière la performance attendue par rapport au risque de ne pas vendre est positive, j'ai à dire, au contraire, on est assez optimiste sur la suite. Ce qui est moins évident quand tu rentres sur des valorisations de plusieurs dizaines de millions d'euros en A ou en B, où effectivement, tu as une espérance de gain beaucoup plus forte. Et l'équation est moins évidente à tenir. Donc, notre positionnement aussi par rapport à ça, je le trouve assez pertinent. Ça, c'est la première chose. De par le fait et les trous dans la raquette sur le digital qui sont assez béants et très très visibles dans un certain nombre de secteurs, dans la logistique, dans la banque et l'assurance et autres, bon, je pense que ça va accélérer aussi un mouvement d'acquisition par des industriels. Ça, c'est le deuxième point. Alors, de manière internationale, hein, pas forcément que franco-français. Le mouvement des exits sur les fonds français et sur les fonds européens n'était pas spécialement tiré par les comptes du CAC 40 qui faisaient une opération par an. Donc, de toute façon, ça change pas beaucoup notre équation, si tu veux. Donc, l'enjeu est pas là. Donc, non, je pense que les opportunités existeront toujours. Simplement, pour celles qui se sont déjà embarquées dans une stratégie à tirer des valos par le haut très marqué, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais si tu rentres à un bon prix, assez classique, avec des fondamentaux qui sont bons, les rendements seront similaires, voire meilleurs. Voire meilleurs. Tout l'enjeu et toute la problématique, ce sont dès lors qu'on a fait des. On a ce changement de paradigme qui est réel, et donc toutes celles qui sont plus en phase avec le paradigme dans lequel on vient de rentrer de manière assez brutale, là, effectivement, on aura des problématiques. Et tu parles du rendement et des opportunités d'investissement. Il y a aussi un effet d'opportunité, entre guillemets, pour les investisseurs, du fait que les valorisations vont être impactées. Est-ce que c'est un sentiment que tu as que les valorisations globalement vont baisser aussi ces prochaines années ou ces prochains mois? Du coup, soit les entrepreneurs vont lever moins d'argent, soit se faire diluer plus. Quel est ton sentiment? Parce que c'est une grosse question qui est souvent posée par Le les sujet, investisseurs. c'est pas celui de la valorisation, celui de la dilution. C'est-à-dire, si j'investis 1 million d'euros chez toi ou 2 millions d'euros, tu me donnes quoi en capital en retour? Et quelle est l'espérance de gain que je peux avoir sur ce capital-là? Ça reste l'équation de base. Donc, la question là-dedans, c'est qu'est-ce que je fais avec ce million d'euros? Quelle est la valeur que je crée avec ce million d'euros? Quelle est la valeur que je crée avec ces 2 millions d'euros? Et le sous-jacent de les valorisations baissent, c'est est-ce que l'entrepreneur sait organiser et structurer une proposition de valeur et la vendre de manière plus frugale. C'est ça le sujet. Parce que si tu fais autant, on vient de vivre 3 ans où les gens, pour produire pour un besoin d'un million d'euros, levaient 2, 3, 4 millions d'euros, alors que leur besoin réel était de 1. Je caricature un peu, mais on était dans un écosystème qui ressemblait quand même à ça. Et quand même gonflait des valorisations en partie artificiellement à la hausse pour garder un équilibre dans la dilution offerte aux fondateurs. L'équation de la dilution, elle, ne va pas changer. Elle n'a pas changé depuis 20 ans. On a des mécanismes de révolution. Bon, on a tout un tas d'outils pour travailler. Donc, quelque part, c'est juste que la valorisation va baisser, mais en contrepartie, les montants aussi investis vont baisser. Si tant est
qu'on sache développer des modèles moins capitaux intensifs. D'accord. On a déjà des questions sur le chat, surtout sur les secteurs. Il y a des personnes qui se demandent, selon toi, est-ce que les secteurs de la santé, de l'entertainment, de l'éducation sont les grands gagnants de la crise? Bah, à court terme, certainement, les perspectives moyen-long terme autour de la santé sont très positives, au niveau de l'éducation, des médias, extrêmement positives. Après, ça reste des business dont le go-to-market n'est pas simple. Donc, et ça rejoint un peu mon propos tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue conjoncturel, on voit le besoin qu'on a tous de pouvoir consommer ou bénéficier de ces services-là. Donc, dans la santé, c'est assez évident, mais on voit tous avec nos mômes dans nos apparts ou nos maisons qu'on a besoin d'éducation à domicile, qu'on a besoin de médias, qu'on a besoin de services digitaux. Donc, la réponse est oui. Après, il y a quand même une analyse, et pour aller au-delà de l'effet d'opportunisme, une analyse fine des go-to-market, puisque ça reste quand même des secteurs qui sont pas simples, avec parfois des barrières à l'entrée qui relèvent du contenu et pas du produit ou de mode de commercialisation. Donc le niveau de compétition est quand même pas évident. Et donc il y a un angle à trouver qui est un préalable à tout. Mais effectivement, c'est tout ce qui va tourner à j'apporte du service en B2C, j'apporte du service en B2B, quelque chose qui est assez important. Tout ce qui va tourner autour de la continuité d'activité. Et ça, c'est une thèse forte chez nous, une conviction très très forte. Tout ce qui va permettre d'augmenter des processus, d'augmenter des collaborateurs dans leur mission, de pouvoir automatiser un maximum de choses et avoir une continuité de bout en bout de la proposition de valeur essentielle. Et puis, on le voit bien avec tous les ransomware qui aujourd'hui pénalisent très fortement des cliniques dans l'Est de la France, dans les administrations, tous les sujets liés à la sécurité ou la cybersécurité, qui déjà avant étaient un trend assez fort et qui l'est encore plus jusqu'à présent. Super, merci. Le Brice qui parle du mapping que vous aviez réalisé en PropTech, c'est quoi ton avis sur le secteur? Même l'immobilier en général, on voit que pour l'instant c'est peu touché. Est-ce que la PropTech peut aussi tirer son épingle du jeu? Ouais, complètement. Là-dedans, dans la PropTech, il y a deux sujets. Il y a le sujet du prix de l'immobilier, comme n'importe quel actif financier, sur lequel effectivement il y a certains phénomènes de dégonflement de poche. Donc ça, c'est assez naturel, puisque dans un certain nombre de secteurs, là, il y avait des niveaux de spéculation qui étaient très 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 élevés. Mais pour autant, les fondamentaux sont de long terme et très durables. Je prends plusieurs exemples. Le phénomène de pression démographique, il n'a pas changé. Le phénomène d'adresser de nouveaux usages, l'accès à la propriété pour les freelances, le co-living, les nouveaux usages, les nouveaux besoins, ces nouvelles tendances et des tendances de fond. Ça, c'est le deuxième point. Puis toute la partie liée à la pression environnementale, elle est on ne peut plus majeure. Et on peut lire énormément d'analyses sur le sujet, où on vit tous le confinement et on s'extasie de la beauté de la nature, mais demain, quand on repartira et qu'on prendra tous nos scooters ou nos bagnoles, et que les usines redémarreront, on revient dans un monde derrière. Donc, de toute façon, c'est sous-jacent on doit avoir des villes plus durables, plus inclusives, plus propres. C'est des tendances majeures où toutes les innovations qui permettent d'apporter à l'urbanisme, à la ville, à l'immeuble, à nos bureaux, à nos maisons, des services résilients, mais aussi de l'agilité pour pouvoir reconfigurer nos espaces de vie où là, typiquement, je suis dans ma chambre, mais qui est aussi un bureau, qui est aussi, voilà, on est tous sur, voilà, on voit bien ce que ça peut vouloir dire sur du résidentiel ou sur du tertiaire. Très clair, merci. L'accélération, est-ce que vous allez la mettre en pause pendant cette période, vous concentrer sur votre portefeuille et sur l'investissement?
comment vous allez faire évoluer cette partie-là de Non, votre au contraire, on ouvre. On a beaucoup de demandes de start-up déjà financées ou dont le sous-jacent financier n'est pas la priorité, mais qui ont besoin au contraire d'appui pour revisiter des propositions de valeur, pour revisiter des organisations, pour revisiter des schémas de commercialisation, que ce soit sur du direct, pour la mise en œuvre de schémas de commercialisation en indirect. Mais au contraire, on la met pas en pause, on l'accélère. Ok, La super. question, c'est plutôt comment on retravaille notre organisation et nos process pour pouvoir adresser plus de startups dans le B2B uniquement sur l'accompagnement et comment on ajuste nos savoir-faire et nos méthodos et nos process pour prendre beaucoup plus en compte l'évolution de l'écosystème et un certain nombre de sous-jacents qui pouvaient être mineurs dans une économie dans laquelle tout va bien. Et qui ont une pondération plus forte maintenant. Ouais, c'est top. En tout cas, les messages étaient positifs aussi. Tout à l'heure, on l'a dit pour les entrepreneurs qui sont plutôt en seed ou en cours de création de projet. Il y a quelque part, c'est le meilleur moment plutôt que les entreprises qui étaient plutôt trop avancées, on va dire même dans les tours de table, voire qui venaient de lever et qui avaient un burn très important qu'il va falloir remodeler. Sur ton rôle, Juste un point, Adrien, excuse-moi de te vas-y, couper. vas-y, je t'en prie. C'est positif, mais il faut le faire de manière avisée. C'est-à-dire, si on n'est pas sûr de soi, on doute, on a peur du vide, faut surtout pas faire. C'est-à-dire que on parle de partir avec une coquille de noix sur un océan agité quand même. Donc, il faut quand même les avoir accrochés, il faut avoir une volonté de faire, une résilience extrêmement forte. Un courage extraordinaire et ceux qui ont ces qualités-là, qui sont capables de plonger dans le vide, effectivement, il y a énormément d'opportunités à prendre. Donc, je suis très très positif pour ces gens-là, mais il y a effectivement une introspection à faire sur est-ce qu'on a vraiment envie de se lancer là-dedans maintenant ou pas. Très, très clair, très entendu. Je pense que les entrepreneurs entendent ce message. Aussi, peut-être la capacité d'adaptation, d'agilité. Justement, tu parlais tout à l'heure de vous, même votre rôle dans cette phase de repenser la stratégie commerciale. Vous avez enfin, quasiment que des boîtes en B2B. On a à repenser des processus commerciaux, voire des offres commerciales. Comment vous prenez votre rôle d'operating là-dessus pour aider les boîtes dans ce domaine-là en particulier? Mais en fait, il y a deux éléments. Il y a bon du process et de la méthodo, mais il y a surtout du coaching. Dans le coaching, on voit beaucoup d'entrepreneurs, souvent ceux qui n'ont pas vécu 2008 et pour les plus vieux 2001, une tendance à dire bah le business est gelé et je verrai post-confinement comment on reprend. Ça, c'est clairement la mauvaise attitude à avoir, c'est-à-dire que oui, ok, c'est compliqué, mais il faut maintenir une pression commerciale sur le marché qui soit maximale, mais adaptée, qui soit extrêmement forte, une pression vis-à-vis de ses sales qui soit très très forte, mais adaptée, pour pouvoir saisir malgré tout des opportunités. Et ce sont toutes les startups qui, dans ce laps de temps, pourront quand même faire du business, pourront quand même explorer de nouvelles manières de faire qui s'en sortiront beaucoup plus que les autres. C'est ça le sujet. Et donc, il y a beaucoup de suivi puisque on vit tous d'un point de vue en termes d'humeur les montagnes russes. Hein. Dans la même journée, on peut être euphorique 50 fois parce qu'on arrive à faire des petites choses qui étaient normales avant et on est content. Et on vit tous 50 déceptions par jour. Donc, il y a beaucoup de suivi et de support et de coaching auprès de ces entrepreneurs pour garder cette pression commerciale la plus forte possible, même si au final les résultats par rapport à une semaine ou un mois normal sont inférieurs ou plus décevants. Mais voilà. Mais l'objectif, c'est d'aller chercher cette création de valeur-là et de pas être passif en fait. Et puis on les aide effectivement à retravailler leur processus, à sortir un peu du bocal dans lequel ils sont pour pouvoir repositionner de nouvelles choses. Et là, on fait beaucoup échanger notre portefeuille, du partage de bonnes pratiques sur qui fait du webinaire, qui fait telle chose en indirect, qui fait telle chose en telle action en marketing, qui fait du pro bono pour gagner en notoriété, qui
voilà, réinvente certaines choses dans du content, dans du marketing automation, qui leur permettent de créer de la valeur malgré tout. C'est vraiment ça l'enjeu. D'accord. Ça peut être aussi créer de la valeur même sur la marque. C'est une bonne période pour faire parler de soi en termes de marketing. En B2B, c'est toujours un peu compliqué d'avoir une marque forte. Oui, tu as raison, uniquement si c'est bien fait. Ouais. Voilà, donc il y a le phénomène d'opportunisme et j'en parle une seconde. Si c'est mal fait, dans cette période où la sensibilité de tout le monde est exacerbée par rapport au nombre d'essais, par rapport à l'état sanitaire du monde, par rapport au degré de tension que crée le confinement, à la crise économique dans laquelle on vit, il y a un degré de sensibilité qui est exacerbé. Donc, quand c'est bien fait, il peut y avoir un degré d'attachement à la marque sur des notions sur des valeurs fortes, sur la solidarité, sur la confiance, sur tout le goodwill qui peuvent être réels. Et en même temps, le retour de bâton peut être très violent. Donc, voilà, être vigilant par rapport à ça et le faire de bonne foi et avec bon goût. Sinon, ça, voilà, ça peut être beaucoup plus au contraire destructeur de valeur qu'autre chose. Complètement. On a une autre question sur la stratégie commerciale d'Olivier qui est juste inbound ou outbound. Donc, une question un peu tricky, mais dans cette période, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on pourrait privilégier pour les entrepreneurs? Est-ce que c'est le moment de Ça continuer dépend, sur l'inbound? beaucoup des modèles en fait. Hein. Ça dépend beaucoup des modèles. L'inbound, hyper compliqué, puisque l'outbound peut marquer. Ça dépend vraiment des propositions de valeur des uns et des autres. Je pense que l'équipe de Livestorm ou de Zoom a pas de problématique d'inbound en ce moment. Donc, effectivement, toutes ces solutions-là qui, dans les médias, dans le télétravail, sur l'éducation, il faut avoir des mécanismes d'inbound qui soient hyper rodés, très fluides, avec une UX parfaite et une continuité dans le process qui soit extrêmement bien ficelé. Et puis pour les autres qui sont, et notamment pour beaucoup de sociétés du portefeuille qui sont plutôt dans une logique d'inbound classique, mais dans ce contexte de confinement, sont plutôt sur l'outbound, revisiter d'autres moyens de le faire, donc du webinar, mais sinon un bon vieux LinkedIn marche très très bien en ce moment, puisque on a tous des journées assez chargées, mais assez bizarrement, on est tous dans une volonté d'ouverture extrêmement forte. Et le nombre de nouveaux contacts qu'on arrive tous à tisser est majeur. Donc tous les outils type LinkedIn, Twitter ou autre sur du webinar ou ailleurs sont des super leviers pour créer des nouveaux contacts. Et le point qui est clé, et notamment dans le B2B, c'est où les paniers moyens par client sont assez élevés. Un webinar à 10 qui permet d'avoir 4 leads et en transformer un, c'est rentable. C'est rentable. Ça n'est pas en B2C, ça l'est en B2B. Donc, sans targeter, sans avoir un emailing de 4 000 clients où pour le coup, plus personne n'en veut, travailler sur des mécanismes plus qualitatifs d'outbound peuvent être extrêmement rentables. Super intéressant, surtout que bah, tout le monde se demande un peu l'impact business. On répond juste aux quelques questions puisqu'on va toucher à sa fin. On parle du TRI annuel moyen des fonds, non, c'est pas 30%. Mais est-ce qu'il y a une réflexion sur le TRI annuel des fonds? Toi, tu dis que tu parlais à d'autres fonds et autres. Qu'est-ce que tu en penses sur Aujourd'hui, c'est, on fonds? est sur des fonds de 10 ans, hein, donc on réfléchit pas avec la, on réfléchit pas sur une conjoncture qui apporte très fortement l'économie sur 15 jours. On a commencé nous d'investir il y a 2 ans et demi. On va déboucler notre fonds dans 7 ans et demi. Donc notre réflexion TRI, elle est sur un portefeuille sur une période de vie beaucoup beaucoup plus longue. Donc l'objectif, c'est de limiter la casse et surtout de bien identifier quelles sont les classes d'entrepreneurs qui, a priori, et a posteriori, ont des qualités bien meilleures que les autres et qui sont capables d'amener leur projet beaucoup plus loin. Et au contraire, donc la réflexion, je la sors du seul sujet TRI, c'est quelles sont les sociétés qui vont se révéler, quels sont les entrepreneurs qui vont se révéler et comment on va allouer les capitaux restants à ces équipes-là pour là après aller chercher de la performance. Ouais.
Il y avait une question plutôt générale sur comment se porte le portefeuille de façon générale d'Axelio. T'en as un petit peu parlé, mais vous étiez plutôt agréablement surpris et vous aviez des bons fondamentaux, donc le boulot a été fait avant. D'une manière générale, est-ce qu'il y a des gros impacts aussi quand même sur certaines boîtes? Ouais, bah, il y a du gros gel, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur les sujets ad tech, marketing, retail, puisque les consommations online ont quand même pas mal baissé. Les consommations dans le retail physique et ou dans la logistique, c'est gelé. Et paradoxalement, c'est des business, dès lors qu'il y aura une reprise ou qu'on sera sorti du confinement, on va repartir très très fort. Ouais. Donc c'est difficile aujourd'hui, donc enfin on va avoir des mois de mars et d'avril qui, d'un point de vue chiffre d'affaires, vont être exécrables sur pas mal de sociétés. La vraie question qu'on a tous, hein, sur lesquelles je suis pas devant, c'est vraiment la durée du confinement. Est-ce que c'est un mois et demi qu'on perd ou on perd tous 6 mois? Donc c'est là où ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tous les grands comptes travaillent tous par des grands budgets annuels répartis par des équipes métiers. Et donc, il y a 2020 qui va être une année de décalage. Ce qu'on ne sait pas et ce qui est difficile à anticiper, c'est est-ce qu'il y aura notamment dans les budgets d'achat des sujets, des thématiques qui vont être gagnantes, typiquement la cyber, et d'autres, au contraire, qui vont être perdantes. Et la question, c'est où? De toute façon, il y a des telles pertes financières à droite à gauche que les budgets de fonctionnement vont en partie baisser. Donc, il y aura des perdants dans le lot. Donc, c'est là où il faut être assez, assez vigilant et faire un gros travail avec ses clients pour bien comprendre, au-delà des enjeux court terme, vraiment les tendances moyen-long terme dans lesquelles ils s'inscrivent pour pouvoir les accompagner au mieux et faire les bons choix. Ok, bah c'était des super conseils. Eric, tu as peut-être un mot de la fin pour les entrepreneurs qui nous écoutaient. Non, juste leur souhaiter bon courage à tous. Surtout trouver des solutions, garder son sang-froid. On est beaucoup investisseurs, accompagnateurs, accélérateurs à donner beaucoup de temps à la plupart d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter d'une manière ou d'une autre pour des échanges one-to-one. C'est quelque chose qu'on fait tous et qui peut être utile. Donc, voilà. Ne Comment on pas peut se s'inquiéter, contacter? chercher des solutions au maximum. On est dans un contexte où il y a une solidarité de fond, beaucoup d'ouverture. Donc voilà, l'essentiel, c'est de trouver je vais dire, de tirer de la valeur de ces contextes-là et de pas se lamenter. Donc voilà, plutôt. Comment on peut contacter Axelio dans cette période? Oh, c'est facile. Contact@axelio.com ou eric@axelio.com. Eh ben écoute, Eric, c'est super sympa. Merci à toutes et à tous. Bon courage. Merci Eric pour cette participation aujourd'hui et Merci puis pour l'invitation. bon week-end à toutes et à tous et à très vite. Très bonne journée, au revoir.